Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez A et P deux parties d'un ensemble E. Question numéro 1. Pardon. Question numéro 1. Montrez que A inclus dans P équivalent que P union A bar égale à E. B. Déduire que A inclus dans P équivalent que A intersection P bar égale l'ensemble vide. Deuxième question. Montrez que A intersection P égale A union P équivalent que A égale A. Montrez que A inclus dans P équivalent que P union A bar égale à E. Supposons que A inclus dans P et montrons que P union A bar égale à E. C'est-à-dire, on va montrer l'implication suivante. A inclus dans P implique que P union A bar égale à E. Pour montrer cette implication, supposons que A inclus dans P et montrons que P union A bar égale à E. Donc, supposons que A inclus dans P et montrons que P union A bar égale à E. On a A bar inclus dans E et P inclus dans E. Donc, P union A bar inclus dans E. Maintenant, réciproquement, c'est-à-dire on voudrait montrer l'implication suivante. P union A bar égale à E implique que A inclus dans P. Donc soit X appartient à l'ensemble E. On a les deux cas possibles. Les deux cas possibles. Donc, on va supposer que soit X appartient à P union A bar. Donc, on a deux cas possibles. Si X appartient à P, ou bien si X appartient à A bar. X, on a les deux cas possibles. Donc, X appartient à B ou X n'appartient pas à B, c'est-à-dire appartient à var. Donc, si X appartient à l'ensemble B, alors X appartient à P union à var. Maintenant, si X n'appartient pas à l'ensemble B, alors X n'appartient pas à l'ensemble A, c'est-à-dire appartient à l'ensemble A bar. Car A inclus dans P. Donc si X n'appartient pas à l'ensemble B, alors automatiquement n'appartient pas à l'ensemble A, car A inclut dans P. C'est-à-dire X appartient à l'ensemble A bar, d'où X appartient à l'ensemble B union A bar. Donc, dans tous les cas, on a X appartient à l'ensemble E implique que X appartient à l'ensemble B union A bar. D'où E inclus dans P union A bar. Donc, d'après ce qui précède, on en déduit que P union A bar égale à l'ensemble E. Supposons que P union A bar égale à E. Et montrons que
A inclus dans B. Donc, soit X appartient à A, l'ensemble A. On a X appartient à l'ensemble A implique que X appartient à l'ensemble E. Implique que X appartient à B union A bar. Implique que X appartient à l'ensemble B. Car si X appartient à l'ensemble A, alors X n'appartient pas à l'ensemble A bar. C'est-à-dire X appartient automatiquement, X appartient à l'ensemble B. Donc, quel que soit X appartient à l'ensemble A, on a X appartient à l'ensemble B. C'est-à-dire que A inclus dans B. Donc, A inclus dans B équivalent que P union A bar égale à E. B déduire que A inclus dans B équivalent que A intersection P bar égale à l'ensemble vide. On a A inclus dans B équivalent que P union A bar égale à E. Équivalent que P union A bar, donc bar, est égal E bar, équivalent que P bar intersection A, donc avec le bar, donc P bar, l'union, bar de l'union, c'est l'intersection, et égal à A. Donc égal et E bar égal à l'ensemble vide. Donc égal à l'ensemble vide. D'où, donc puisque P bar intersection A égale à l'ensemble vide, c'est-à-dire P inclus dans A. Donc A égale à P. Donc, A inclus dans B équivalent que A intersection P bar égale à l'ensemble vide. Deuxième question, montrons que A intersection P égale A union P équivalent que A égale à B. Deuxième question, montrons que A intersection B égale A union B équivalent que A égale à B. On a A égale à B implique que A intersection B égale A union B égale à A égale à B. Supposons que A intersection B égale à A union B et montrons que A égale à B. Soit X appartient à l'ensemble E. On a X appartient à l'ensemble A implique que X appartient à union B. Implique que X appartient à intersection B. Implique que X appartient à B. Puisque X appartient à l'intersection P, c'est-à-dire que X appartient à A et X appartient à B. Et n'oublie pas que A union P égale A intersection P. D'après l'hypothèse, on a supposé que A intersection B égale A union B. Et puisque X appartient à l'intersection de A et B, c'est automatiquement que X appartient à A et aussi X appartient à l'ensemble B, ce qui implique que X appartient à l'ensemble B, d'où A
inclus dans B. Maintenant, on a X appartient à l'ensemble B. Implique que X appartient à union B. Implique que X appartient à intersection B. Implique que X appartient à A. Puisque X appartient à l'intersection de A et B. Donc X appartient à A et B en même temps. Donc X appartient à A. D'où B incluant A. Donc A égale à B. D'où A intersection B égale à A union B équivalent que A égale à B.